Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, ce matin, on était déjà ensemble pour un bon bistrot du jeu vidéo avec des plats en première fraîcheur. Mais peut-être que vous vous êtes dit, tiens, c'est bizarre. Il y a eu quand même une annonce cette nuit de la part de Nintendo, quelque chose d'un peu étrange, une expérience qui va bientôt être dévoilée sur Switch et je ne la retrouve pas dans le bistrot. Eh bien, je vais être honnête avec vous, tout simplement, car ce n'était pas prévu, et tout simplement, car normalement, j'avais un secret que j'allais vous révéler demain, et ce secret, c'est que je suis à Tokyo. Voilà, c'est pour ça que ça n'était pas inclus dans le bistrot de ce matin, mais néanmoins, oui, nous allons parler ensemble eh bien, de ce que Nintendo vient tout juste de dévoiler, une expérience étrange, une espèce de cercle dans lequel on vient clipser les Joy-Con. Bref, bah vous savez quoi, je vous en parle maintenant. Avouez que vous ne vous y attendiez pas. Eh bien, moi, je ne m'attendais pas non plus à cette annonce-là de Nintendo qui sort de son chapeau une expérience complètement étrange et bizarre. Un cercle en plastique dans lequel vient se switcher, tel cas de le dire, se clipser un Joy-Con. Et puis, c'est pas tout, puisque après, au niveau de la cuisse, clac, on met aussi un autre Joy-Con, j'imagine, pour que les deux communiquent ensemble et que cela puisse être un peu plus précis sur les mini-jeux ou expériences ou défis qui seront proposés. Alors, ce qui est intéressant quand même de voir et d'analyser, c'est que Nintendo avait un Nintendo Direct il y a quelques jours. Vous étiez avec nous en direct, vous étiez près de 12 000 en simultané, merci infiniment. Et donc, on aurait été décemment à se dire bah, tout ce qui nous attend pour la fin de l'année et le début de l'année, c'était dans cette émission. Eh ben non. Définitivement, la communication de Nintendo peut être surprenante. Et ça j'apprécie. J'apprécie parce que je trouve que c'est totalement dans leur ADN. Essayer de sortir un petit peu du carcan bien établi de ce qui peut se faire dans l'industrie du jeu vidéo et autres. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit quand ils ont lancé la DS, tout d'abord, avec ses deux écrans? Qu'est-ce que c'est que ça, une console portable avec deux écrans? Ensuite, la Wii, hein, mais il n'y a pas vraiment de manette, c'est un pointeur, c'est quand même un peu particulier et tout. Et puis après, vous voyez où je veux en venir, il y a eu d'autres styles, comme Wii Fit par exemple. Parce que cette espèce de cercle-là, ça a l'air d'être très physique. C'est pas du tout du jeu vidéo traditionnel comme on l'entend, manette en main ou Joy-Con en main. Non, ça rappelle beaucoup plus ce que Nintendo avait déjà préfiguré avec Wii Fit. Et en cela, très clairement, eh bien, Big N est en train de faire la passerelle entre plusieurs générations de ces machines, de surfer sur un succès qui rappelle d'ailleurs celui de la Wii, et donc de vouloir ouvrir un petit peu les choses et démocratiser leur manière de jouer. Ça, c'est extrêmement intéressant, je trouve, à voir, parce que très clairement, il y a eu un trou lors de la Wii U. Malheureusement, il y avait des très bons jeux, hein. D'ailleurs, ils ressortent à peu près tous en remasterisation et autres sur la Switch. Tu m'étonnes, ils auraient tort de se priver quand même. Quand tu vois que derrière, ça fait des véritables cartons, très probablement aussi, parce qu'il y a plein de gens qui sont totalement passés à côté de la Wii U. Voilà, il y a eu probablement plusieurs problèmes, mais dont une erreur de communication initiale. Quant à un succès phénoménal comme la Wii, peut-être qu'ils l'auraient appelé Wii 2 plutôt que Wii U, les gens auraient mieux compris, etc. Moi, je me rappelle encore, petite anecdote, hein, mais un jour, quelques mois après le lancement de la Wii U, eh ben, j'étais dans une boutique de jeux vidéo, et il y avait une maman qui venait, et elle disait « Mais il faut acheter... c'est quoi? C'est la console, ça? Ou il faut acheter un autre truc ?» Enfin, le message n'était pas clair. Bon, eh ben... Je crois qu'avec cette expérience, qui n'a pour l'instant pas de nom, mais dont on devrait apprendre plus de choses, bah là, d'ici quelques jours, hein, le 12 septembre, ils ont donné la date de l'annonce. En fait, là, c'est l'annonce de l'annonce. Voilà, c'est assez original, mais au moins, on va être totalement hypé. Eh bien, voilà, je pense qu'ils veulent s'adresser à tous les publics, dont le grand public, ce public qu'ils avaient réussi à capter sur la Wii, qu'ils avaient réussi à capter avec la DS et la 3DS, avec... des jeux un petit peu comme Kawashima, etc. Vous savez, c'est des expériences qui sont différentes, mais le but est d'inclure, de toucher le maximum de gens. Et peut-être que ces personnes-là, qui du coup n'ont pas été extrêmement fidélisées, mais qui se rappellent qu'ils ont passé des bons moments, peut-être sur leur Wii, vous savez, ce côté un peu raclette. On a peut-être à peu près tous une raclette à la maison, mais on la sort une fois par an.
Voilà. Mais on a envie d'avoir une raclette. On veut se rassurer. On veut se dire, mais si à un moment ou à un autre, je veux me faire une bonne raclette, je peux le faire. Et bah, c'est un peu le cas, à mon avis, de plein de gens qui avaient pris une oui à l'époque, parce que c'était la hype, parce que c'était rigolo, parce qu'on pouvait faire le bowling, le tennis, etc. Mais qui, en fait, bah, passaient le petit moment sympatoche d'une soirée tous les 6 mois avec leurs potes, l'avaient rangé. Mais quand on voit le succès de la Switch commerciale, bah voilà, ils ressortent les bonnes recettes, ça me paraît une évidence. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut que je vous confesse. Il y a quelques semaines maintenant de cela, m'était revenu aux oreilles que Nintendo devait annoncer quelque chose d'ici la fin d'année qui n'avait pas encore été fait. Et là, quand j'ai vu l'annonce du Nintendo Direct, eh ben, je me suis dit, ah, mais tout ce qui est là, les rumeurs, etc., autour d'un hypothétique retour de Mario Sunshine, que ce soit un DLC ou autre, et si c'était ça justement la fameuse annonce que Nintendo devrait faire? Et puis bah pas du tout. Alors je me suis dit, bon bah les plans ont été reportés, etc. Eh bien non, c'était donc cela. Voilà, mais c'est arrivé avec un timing complètement surréaliste. Alors regardons bien les images quand même. Une fois de plus, je pense que si on les analyse, il y a des choses intéressantes à voir. Déjà, clairement, il y a des séquences qui sont un peu ambiance aérobic, etc. Donc, ce ne sera pas que des défis, à mon avis. Il y aura peut-être vraiment ce mariage, comme dans Wii Fit, avec un petit peu de sport, avec des défis, etc. Mais aussi, peut-être des bonnes postures à avoir, le côté sain, voilà, que Nintendo avait prôné il y a quelques années et qui semble pouvoir revenir sur le devant de la scène par l'entremise de cette expérience. Et puis, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'interpelle, c'est la manière de le communiquer. Il y a beaucoup de gens qui viennent de provenances diverses. Il y a Paris, il y a des villes aux États-Unis, en Italie, etc. Et là, je me demande si bah, c'est juste pour montrer que ça va sortir partout et que tout le monde pourra y jouer. Ok, c'est possible. Ou bien, c'est aussi pour montrer, teaser le fait, qu'à l'intérieur, il y aura peut-être des challenges qui seront classés en ligne, ensuite, au niveau international. Et qu'il faudra voir, du coup, celui qui est le plus efficace à secouer son truc, etc. Parce que, clairement, il y a plein de mini-jeux. Si on regarde, il y a plein de manières de l'utiliser de manière différente. Il y a des moments, ils le mettent au-dessus de leur tête, parfois en dessous, parfois ils l'écrasent, parfois ils le mettent entre les cuisses, enfin, c'est extrêmement varié. Donc, pour l'instant, ça fait vraiment totalement ovni, on est bien d'accord. Mais moi, je trouve ça vraiment réjouissant. Et n'oublions pas que Nintendo, c'est dans son ADN. Nintendo, avant d'être un constructeur de jeux vidéo, un développeur, un créateur de consoles, etc., bah, faisait des jouets bien physiques. Et donc, quand ils font du Wii Fit, quand ils font du Nintendo Labo, quand ils font cette expérience, et bah pour moi, ils reviennent vraiment, enfin, en fait, ils ne l'ont jamais quitté, hein, mais à ce qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment bah, un créateur, un développeur, un consolier totalement à part. Nintendo, tu peux pas les mettre dans une boîte. C'est pas possible. Ils te sortent toujours des petites trouvailles étranges. Alors, parfois, ça n'aboutit pas. Hein. Rappelez-vous le Quality of Life qui avait été évoqué de nombreuses années en arrière par Feu Satoru Iwata. On l'a jamais vraiment vu se concrétiser. Il y avait aussi le sensor, vous savez, qu'on devait mettre au bout du doigt, etc. Pareil, ça, on l'a pas vraiment vu. Mais ah bah parfois, ça va jusqu'à son terme, et c'est ce qui va se produire avec cette nouvelle expérience qui va donc débarquer très prochainement sur la Switch. Alors, est-ce que ça va être annoncé officiellement le 12 septembre et dans la foulée commercialisé? Eh bien ça, je l'ignore totalement, donc bah forcément, il faudra rester connecté sur la chaîne, puisque vous le savez, hein, vous le comprenez du moins, de Paris à New York, à Tokyo, etc., bah, je vous emmène constamment dans mes bagages. Et justement, bah, c'était pas prévu que je fasse, que je vous le révèle aujourd'hui même. Je voulais faire la surprise ce week-end. Mais donc, si je suis à Tokyo, c'est que oui, je vais couvrir pour vous le Tokyo Game Show 2019. Voilà. J'ai plein de choses d'ores et déjà inscrites que je vais pouvoir, des joueurs auxquels je vais pouvoir tester, de belles rencontres, des grands créateurs qui passeront du coup sur la chaîne. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Mais vous êtes en tout cas au bon endroit, alors franchement, si vous ne voulez rien manquer, bah, je m'assurerai d'être bien abonné à la chaîne, de bien avoir coché la cloche, etc. Parce que oui, des vidéos peuvent arriver à tout moment. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, sayonara. Ciao.